répondre à vous pour la charpentier, s'il vous plaît. Par le contre, petit ou le plus gros? Lequel? Bon, je sais pas. Le ouais, celui-là, je crois. Ouais. Pas tranché. On prend une paillasse aussi. Ouais. Avec. Pas tranché, vous m'avez dit. On est mouillé ou pas? On est mouillé ou pas? Je vous prends, il est quand même assez tard, enfin assez tard, non, il n'est pas tard, il est 21h, ça paraît tard pour moi parce que je suis levée depuis 4h15 ce matin, mais tard dans le vlog, quoi, ça que je voulais dire. Voilà, en fait, ce week-end, je suis encore chez mon papa pour lui prêter main forte, et puis du coup, je me suis dit que j'allais vous filmer des petites brides. Alors, c'est pas évident, surtout que c'est quand même assez intense, donc j'ai pas pu vraiment vous filmer complètement la journée, parce que honnêtement, j'oubliais vraiment d'installer la caméra, le téléphone. Donc du coup, vous avez quelques petits passages. J'espère que là, je ne me rends pas encore compte de ce que ça va donner au niveau du montage. Est-ce que ça va faire une petite vidéo Enfin, je vais voir ce que ça va donner. Enfin, bref. Donc voilà, je suis chez mon papa depuis... Là, on est samedi soir. Je suis chez mon papa depuis hier soir. Donc, je dors en général de nuit quand je vais là-bas. Parce qu'en fait, il a besoin de moi le samedi et le dimanche. Et comme le samedi, je commence à 5h du matin... Du coup, c'est quand même pas la porte à côté de chez moi, donc je peux pas me permettre de dormir chez moi et venir le matin aussitôt. Faudrait que je parte de la maison vers les coups de 4h, 4h15, et pour le coup, c'est à l'heure où je me lève ici. Donc du coup, voilà. Donc je dors là quand je viens l'aider. Et puis là, je rentre demain à la maison. Donc là, le dimanche, en fait, je fais que la matinée. Il n'ouvre pas, il ferme la boutique, enfin la boulangerie l'après-midi, le dimanche. Donc du coup, il n'y a que le matin. Et puis dès qu'on a fini la matinée, je rentre. Voilà, je rentre à la maison. Attendez, je vais m'installer. C'est pas mon lit, donc je suis pas habituée. Donc écoutez, une petite journée comme d'habitude. Hein. Je vous dis, je me lève à 4h15 quand je suis là. L'objectif, en fait, moi, c'est que je m'occupe que de la boutique. Et je suis toute seule dans la boutique, donc du coup, je démarre par le nettoyage de toute la boutique. Ça, normalement, vous avez des petits morceaux dans le petit vlog. Après, j'installe tout, que ce soit le pain, la viennoiserie, la pâtisserie, bon, forcément. Et puis après, c'est servir les clients, tout préparer. Et puis, c'est aussi
beaucoup d'organisation, c'est-à-dire bah, j'en profite quand je suis là pour essayer de nettoyer des choses qu'il n'a pas le temps, parce que comme il est tout seul en ce moment, vraiment tout seul, comment dire, bah, il n'a pas le temps de faire certaines choses, il va à l'essentiel, c'est normal. Donc moi j'essaie d'en profiter, de tout lui nettoyer, j'essaie de tous les rangements, tout ça, de réapprovisionner, de nettoyer, bah, voilà, balayer bien, enfin faire tous les petits détails qu'il n'a pas le temps de faire, quoi. Donc je fais ça, et puis tout au long de la journée, bah, j'essaie de m'occuper quand il n'y a pas de clients, de justement de ranger. Je prépare ces petits détails. Vous voyez, par exemple, je vais lui faire des sachets de bonbons. Des petits sachets comme vous trouvez en boulangerie, hein, des petits sachets à 1 euro, 2 euros, ce que vous voulez. Bah, moi, je lui en prépare plein d'avance. Comme ça, bah, la semaine, c'est des choses qu'il n'a pas le temps de faire. Lui, il a d'autres choses à faire. Donc, c'est vrai que s'il y a des enfants qui viennent ou des clients pour des bonbons, il va faire au fur et à mesure. Moi, pour le coup, je l'avance un peu, donc je lui en fais quand même pas mal. Enfin, voilà, mon objectif, c'est d'essayer aussi d'avancer un petit peu, de faire ce que je peux. C'est pas évident parce que bah, y a quand même beaucoup de monde le week-end, donc j'ai pas vraiment le temps de l'aider, de l'avancer beaucoup. C'est pas facile. Mais voilà, en gros, c'est ça le principe. J'espère que je vous cale. Et puis voilà. Donc, je peux pas dire que je suis vraiment fatiguée parce que c'est que 2 jours, donc je peux pas vraiment, je ressens pas trop la fatigue là ce soir, même si je me suis levée quand même assez tôt. Ça va être plus demain matin. Là en fait justement pour le coup, je vais avoir du mal, je pense, à m'endormir. Je me couche tôt, vous voyez, je suis déjà à 9h au lit, alors qu'à la maison en général, je suis jamais à cette heure-là au lit. Et mon papa lui dort déjà. Mais en même temps, c'est normal, lui, il est levé depuis 11h du soir. C'est-à-dire que le vendredi soir, il a dû se coucher vers 8h30 et s'est levé à 11h pour pouvoir aller faire et le pain et la pâtisserie. C'est lui qui fait complètement tout. Donc, il est crevé, quoi. Donc là, il dort déjà. Et là, pour le coup, il se lève un peu plus tard, il se lève à 2h. Donc, ça va être un peu une plus grosse limite, il va faire la grasse mat, là. Le pauvre. Ah, ça fait des grosses journées de travail hein, pour le coup. Mais c'est vrai que voilà, mine de rien, ça l'aide que je sois là. Hein. Et c'est pas facile hein, de gérer tout seul. Donc voilà. Et puis du coup, je sais plus ce que je disais là pour en revenir à ça. Oui, c'est que du coup, là, je me suis couchée tôt en me disant, bon voilà, je vais pouvoir me reposer. Mais je suis sûre que je vais avoir du mal à dormir. Parce que je ne suis pas encore fatiguée, vu que je ne me couche pas à cette heure-là en général. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... de toute façon, je vais vous laisser, parce que je me dis que je vais attaquer le... Il faut que je termine le montage du batch cooking. Je ne suis toujours pas encore au point. Ça va, je suis presque à la fin. Il ne manquera plus qu'à... Mais ça, je le ferai demain quand je rentre à la maison. Il faut que je fasse le tirage au sort. Et puis que voilà, je clôture le batch cooking, mais tout le montage est fait. Là, j'ai simplement à insérer les petits textes pour mettre, pour donner un peu les détails des recettes. Et donc, je finis ça la soir, comme ça, c'est bouclé. Et j'aurai que demain quand je rentre à comment dire, je vais y arriver. À faire le petit passage de clôture. Voilà, en gros, on va finir le fait réduire ça. Et puis, voilà. Et puis, du coup, comme ça, quand je rentre, je fais ça. Et après, je me repose. C'est vrai que, du coup, pour le coup, quand je rentre à la maison, du coup, pour le coup, hein, quand je rentre, je ressens la fatigue. Quand j'arrive à la maison, c'est le moment où je vais décompresser. En général, quand c'est comme ça, quand je reviens de chez... C'est quoi, ça? Attendez, j'ai du vent sur la main. Mais non, ça va pas tenir. On dirait du dentifrice. Bon, je sais pas. On verra ça demain. On dirait du dentifrice. Ouais, quand je rentre le dimanche, là, pour le coup, je suis crevée. Je me pose, du coup, j'en profite d'être à la maison pour me poser, et c'est là que la fatigue, elle arrive. Mais bon, voilà, c'est que le week-end, hein. Je suis à la semaine à la maison, donc c'est tranquille, quoi. Puis si ça l'aide en plus, donc c'est cool. Donc voilà, je voulais juste clôturer du coup cette petite vidéo. J'espère en tout cas que voilà, ça vous aura plu. Il n'y a rien de grandiose, mais je me suis dit que ça pouvait peut-être
Vous pouviez peut-être trouver ça sympa d'avoir des petites brides. Alors, c'est pas évident parce que forcément, je n'avais pas emmené le trépied, mais en même temps, je n'allais pas installer non plus le trépied dans la boutique. Mais du coup, je ne pouvais pas vraiment vous faire toujours des belles angles de vue parce que je ne savais pas où le poser. Je ne savais pas où le poser et surtout discret, quoi. Je ne voulais pas que les clients puissent le voir. Donc, il fallait que je sois discrète à l'endroit où j'allais le poser. Donc, c'était pas évident. Donc, ça que l'angle de vue, il n'est pas toujours génial. Mais voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, histoire de vous montrer un petit peu des petits passages de mon week-end. Voilà. En tout cas, bah écoutez, moi, je vous fais vraiment plein, 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 plein de gros bisous. Et puis, de toute façon, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Allez, salut les amis. Bonne nuit.